Hey yo les gars, c'est The Mr Black, j'espère que vous allez bien. Bon, à part les amis, je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur la chaîne de Team de la Noyu Rage qui j'espère vous fera plaisir. Je pense que vous avez dû le remarquer, mais le gameplay est très court. Aujourd'hui les gars, je vais vous faire un petit commentaire au feeling qui j'espère va passer crème dans vos petites oreilles que j'aime et que j'adore tout simplement. Non, je déconne, voilà. Même si je vous le cache pas, une petite idée vient de m'apparaître dans la tête à l'instant même. Je vous le cache pas, je vous le jure à l'instant même. Et qui j'espère vous fera plaisir. Mais sans plus attendre, je vais vous introduire le gameplay qui est un gameplay réalisé par Rayman sur Black Ops 2 en mêlée générale. Et aujourd'hui on se retrouve pour un titre explosé ou une nucléaire les gars à la Scarash. C'est comme Scorestreak, il avait drone, gardien et micro-station pour bien enchaîner les ennemis comme vous allez pouvoir le voir durant ce gameplay. Donc franchement je vous le cache pas, je prends vraiment du plaisir à vous commenter ce gameplay parce que déjà c'est pas du ghost, du spawn trap etc etc. C'est du solo tout simplement parce que c'est de la mêlée générale, voilà. Et franchement le gameplay est très joli à voir au niveau de ses déplacements et au niveau comment il enchaîne les ennemis. Enfin bref les gars, la petite idée qui m'apparaît dans la tête simplement de vous poser une petite question. Je vais vous donner mon avis sur ma question, je vais vous répondre à ma question et j'aimerais bien que vous aussi y répondiez, voilà, pour que nous puissions créer une sorte d'interaction dans les commentaires de cette vidéo. Donc je compte sur vous les gars. Et ma question qui m'est passée dans la tête, c'est quelles sont les choses qui vous énervent le plus sur tous les codes confondu. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, les choses voilà sur tous les codes confondus, c'est-à-dire code 4, code 5, voilà tout ce que vous voulez, etc., etc. Les choses qui vous énervent le plus, c'est-à-dire que ce soit accessoires, armes, comportement des ennemis, etc., etc. Et moi bien sûr, par la suite de cette vidéo, je vais vous dire ce qui m'énerve vraiment le plus sur tous les codes et même en vous disant chaque code qu'est-ce que j'aime pas, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez faire comme ça, tout simplement me répondre et me dire voilà c'est ce que j'aime pas, etc., etc. Et je vais répondre à tous vos commentaires, je regarderai tous les commentaires bien sûr vu que c'est moi qui commande cette vidéo et je pense que les membres de la rage aussi regardons cette vidéo et j'espère qu'ils vont bien sûr répondre à ma question. Enfin bref, moi les gars, ce qui m'énerve le plus, on va commencer par MW3, c'est les séries de mort. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui joue pas très bien Call of Duty quand je suis en série Moab, voilà, pour faire un petit gameplay on va dire. Et mon cœur en fait il palpite à 3 milliards de kilomètres par heure tout simplement. Et donc quand je me fais tuer par un mec qui a la série de mort main du mort, donc qui fait une Moab à lui tout seul vu qu'il a fait une série de mort de 5, voilà, qu'il est mort 5 fois d'affilée pour ceux qui connaissent pas, ça me fait vraiment rager. Donc les gars, sur Black Ops 2, ce qui m'énerve vraiment le plus, c'est les clés morts et les Betty les amis. C'est un truc de malade mental comment les gens y jouent avec ça dans ma communauté à moi, c'est-à-dire entre les États-Unis, le Canada, etc., etc., sous les tropiques tout simplement. C'est vraiment un truc qui m'hallucine ça aussi, parce que des fois je suis en série sur BO2, même si j'arrive bien à jouer, voilà, ce BO2, je les enchaîne bien les ennemis. Je me fais péter toutes mes séries à chaque fois et ça m'énerve vraiment. Sur Ghost, je vais vous expliquer la raison pourquoi j'ai arrêté Ghost moi. Tout simplement parce qu'il y avait les EEI, les mecs qui campaient sur les spawns, sur leur spawn avec les EEI et que j'arrivais, que j'entendais bip 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 et boum, voilà, je me faisais exploser la gueule tout simplement. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça faisait. Et franchement ça les gars, c'était un petit peu énervant et je vous jure, je vous le cache pas, que c'est ce truc là qui m'a fait arrêter de jouer à Call of Duty, même si le jeu en lui-même ne me plaît pas trop. Donc les gars, cette vidéo s'achève déjà, malheureusement, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la commenter, à la partager. Surtout de répondre à ma question les gars en commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Encore une fois les amis, je répondrai à tous vos commentaires si j'arrive à les lire tous autant que vous êtes. Non je déconne, j'arriverai bien sûr, j'y répondrai. Et encore une fois les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était The Mr Black.